غزول في اللون ان صوفي سوان سلام غوكني غورا مع ذاكني ذقطاس يدون اردي لي ما تم دي ثقي وكنا تزرم اسقر ذش تمثال دي تاويم داك الناغ اكلي يال دور ثلاوانا ذشو اريلين امسلاي اديزي غف الحراك ناغ ثقرا ولا ثنكرا وش مما ثنكرا نو سيرم نو سقواس زوج الاف واحد وعشرين سيني جيمان ورميان سلام غداك ني تم دي تاكي لا كوذ مسا لميا بوديسا لا كوذ مسا دليلا طلب اتسعديم تاكنيت يلهان ايه يميني سنتي استيد ذو نار الحراك داين نيد التمليلين يا لا سدي ثو دارت نسنت ماشي حاشا تقوس الجمعة كانت فغنتي وكنا ذو الحوت اساكي يد سنت انوالي ايمال من الجاير سريد ديث دويلت لكوذ مداكلنا غاكلي يوماني ني الزول والزول إثن في قوينا أسوى ضغور كي يكلي الزول أصون ياز تليم سفلي ذن الزول إسخرا بودي سمح سيسونا ما ذوي ذي لندا قام ذوي ذي لندا الغربة هذا ستنين يثي ذاك يجين قد يروحنا ثين في قوينا قينا الحرمة تيم غناسين لا تذكو النار قد شت أين ميزمرت هذا دفكت الساقين ثم غلين ست أماكن توليت ثغره ولا يجين اذا اقبل انكم صين لي كيستيون هذا ستنيني مرحبا لا سلام ارذكين ارتذولت ان الراديو ناير لكن من لا هذا سينير اولا مزوارو دليل طالب ذا كيسكو فان دير دو بريم ابور بارابور سيت ريفوليسيون بوبولير مساء الخير سونيا، مساء الخير أكلي، مساء الخير أكل يتفليذن. Qu'est-ce qu'on doit dire sur la révolution populaire? C'est extraordinaire, c'est un mouvement extraordinaire qui est né maintenant, ça fait plus de deux ans. Et il y a une c'est un miracle pour l'Algérie. Après des années de terrorisme, on est passé par une décennie noire, les Algériens ressortent pour revendiquer quelque chose qui est hautement politique. Mais l'état de droit, la démocratie. Et pour moi, c'est un miracle qui s'est produit en Algérie. Parce que, comme le disait une fois un ministre délégué au niveau de l'ambassade d'Espagne, il m'a dit, après toutes ces années, on n'attendait pas que l'Algérie nous ait Nestoura et l'Algérie, ça va donner naissance à des mutants. Mais c'est cette jeunesse qui est sortie très consciente et très responsable. Au fait de tout ce qui est passé dans l'histoire de l'Algérie, ça c'est extraordinaire. Moi, malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se fait pour affaiblir le mouvement, moi je suis convaincue qu'il ne va pas affaiblir et qu'il ne tombera dans aucun piège, et la victoire est au bout du chemin. Voilà, qui voilà son. Tamir Fim, Amas Dalila. ثورا اللغه ال ارولت مثلا غلم يا بوديسا دكتور ابري لو روتور دي حراك ابري لابسونس دي حراك دون اني اي سون روتور اكتويلمون نوز افون فيو كو بارتو ايور دون توتي لي ولايات دو بيي يا ان انغويمون يا اون فيرفير بوبولير بور كونتينيي سو كومبا démocratique, populaire et pacifique. Qu'est-ce que tu peux en faire comme lecture? Mais merci Atli, c'est gentil de ta part.
Merci Akli. C'est le retour du Hirak déjà, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. On a essayé de le casser déjà en 2019, quand les gens commençaient à parler du Hirak, beaucoup de personnes essayaient pratiquement de, par désinvolture, par inconscience, de dire que ça marchera pas. Le 22 février 2019 a été vraiment le volcan qui a éclaté, mais il a éclaté d'une silmia, d'une révolution, du sourire, de la paix que personne n'attendait, y compris les pays vraiment très développés, qui se disent être civilisés. C'est vrai que le Covid a freiné le Hirak, ça a été une décision salutaire, beaucoup plus pour le Hirak, parce qu'on a montré qu'on était conscient qu'on ne voulait pas de mort inutile pour notre peuple, qu'au contraire, nous voulions son bien, sa prospérité. Maintenant que réellement les cas sont très bas, le Hirak est revenu. Il est revenu encore plus conscient, plus sage, plus réfléchi pour continuer le combat. Le combat n'est pas encore terminé, c'est sûr, mais on est revenu, on a repris la rue et on terminera. Inch'Allah, bien sûr. Merci. Mais certains disent, c'est pour docteur Dalila Taleb, certains disent toujours dans la même option, dans la même vision, certains disent que le retour de Hirak a fait monter les enchères des obédiences qui sont à l'intérieur de ce mouvement, parce que le Hirak c'est un mouvement pluriel, c'est la composition politique de toute l'Algérie, avec toute sa pluralité, laïque, démocrate, islamiste, berbériste, etc. Donc, il y a certains qui disent qu'il y a une lutte à l'intérieur de ce mouvement. Que pensez-vous, docteur, que pensez-vous, Dalila Taleb? Alors, vous savez, ce mouvement est tellement important. Et il pèse dans ce qui se passe dans le pays. Il est craint, on le craint beaucoup parce que même sur la scène internationale, je veux dire par là, le Nord, les pays du Nord ont peur parce que beaucoup de privilèges seront perdus à jamais s'il y a une démocratie en Algérie. Il y a une peur chez les pays du Sud où il y a des dictatures, ils ont peur de l'effet de contagion. Comme le mouvement qui existe, cette révolution du sourire, comme on aime bien le dire. Donc, il y a une crainte et on sent qu'il y a une pression pour que ce mouvement ne puisse pas réussir son combat. Mais la détermination des Algériens, quelle que soit leur obédience, mais je veux dire, c'est pas la première fois qu'ils essaient de faire monter les laïcs contre les islamistes, les berbéristes, contre. Je veux dire, ça, c'est quelque chose d'assez vieux. Je veux dire, le pouvoir, il en a pas marre de jouer sur ça. Est-ce qu'il n'a pas compris que ça ne marchera pas? Il n'y aura pas de division au sein du Hirak. On a beau dire aussi que ce mouvement a été créé par un tel et tel est derrière lui. Ça, c'est une insulte à l'intelligence du peuple. Ça, c'est une insulte et ça me rappelle 88, où on disait que ça, un tel l'a déclenché. Non, ça veut dire qu'on insulte l'intelligence du peuple. On insulte ce génie populaire, comme le disait Ahmed Lahmou. Ils veulent à tout prix minimiser ou faire monter les enchères, comme on dit, dresser les uns contre les autres. Mais les Algériens l'ont compris, et l'ont compris il y a longtemps, qu'on ne peut plus continuer à nous mettre en guerre les uns contre les autres, parce que ça veut dire qu'au sein du pouvoir et du clan du pouvoir, il y aura une paix pour continuer leurs sales affaires, pour mettre à genoux ce pays. Donc, on a surpassé beaucoup de choses et on a traversé des étapes vraiment difficiles, comme quand ils ont voulu, par exemple, le problème de l'emblème Amazir, à faire ça entre les arabophones et les berbérophones. C'était extraordinaire de voir cet emblème pris partout dans les régions d'Algérie. Ils ont essayé ces derniers temps la montée des islamistes et je ne sais quoi. Mais le Hirak sort encore plus fort pour leur dire
arrêtez, on est tous des agents, on est d'accord, tout que l'on confondu, cette guerre militaire qui a fait que l'Algérie arrive à une situation où sa jeunesse ne trouve plus d'horizon, ne voit rien à l'horizon, que sa jeunesse se jette dans la mer. Il y a pire que ça, il n'y a pas pire que ça. Et donc, en fait, c'est le pouvoir s'entête à ne pas voir, mais nous, on voit clair dans notre mouvement de ce qu'on veut. Et il y a un accord de toutes les villes de l'Algérie, de toutes les tendances, qu'elles soient politiques ou sociales, toutes les visions se sont réunies autour de cette idée, pacifiquement, avec civisme, à revendiquer le départ de ce pouvoir criminel, mafieux, et pour vouloir installer une véritable république démocratique. C'est pas seulement un titre. C'est pas seulement un titre république démocratique, mais c'est un fait, c'est une vie, et l'Algérie a besoin de le vivre, parce qu'on dit toujours que l'Algérie n'est pas assez mature pour la démocratie, et ça aussi c'est une insulte. L'Algérien l'a prouvé en sortant les vendredis, les mardis et toutes les franges de la population pour dire non, on est mûr, on a compris les enjeux et on est là et on ne lâchera pas. Et ça veut tout dire. C'est un serment comme celui du Shuhada Qassaman bin Nasser. C'est pareil. C'est des dignes héritiers de ceux qui ont libéré l'Algérie. Aujourd'hui, cette jeunesse, ce héra qui va libérer les Algériens. Voilà ce que j'ai à dire, mes chers amis. Merci, Dalila. Docteur, est-ce que vous pouvez en ajouter quelque chose sur cette question? Tout ce que je peux dire, c'est que ma camarade Dalila a très bien défini les enjeux. Aussi bien le Nord que nos amis du Sud ne veulent pas que l'Algérie réussisse. Je ne dis pas que les peuples ne veulent pas, mais c'est beaucoup plus les gouvernants qui ne veulent pas. Les gens du Nord profitent de l'Algérie, profitent des richesses de l'Algérie, des largesses de nos gouvernants pour les laisser en place. Et les gens du Sud ont peur de la démocratie. On est en train de nous battre pour deux fronts. Deux fronts peut-être différents, mais deux fronts qui ne veulent pas que notre... Allô? Il y a un parasite. Allô? Il est parasite. Oui. Donc, automatiquement, moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Ce Hirak a montré les limites de tous ceux qui n'aiment pas réellement notre peuple et notre Algérie. Ça a commencé avec les Zouaves, avec les berbéristes, les gens de toute l'Algérie ont porté le drapeau, l'emblème amazigh, que ça soit dans une région berbérophone ou arabophone. On a commencé à faire monter la mayonnaise entre les laïcs et les islamistes. Ça ne marchera pas non plus. Je vous ferai rappeler que la guerre de libération de 54 a été faite par des communistes, dont Iftan, Monsieur Audin, elle a été faite par des islamistes, par des laïcs, par des démocrates, et elle a quand même réussi. Quand on s'entend sur un objectif, on réussit, monsieur. Merci. Merci, docteur. La deuxième question que je vous pose, malgré un arsenal policier et militaire important, le Hirak se porte bien et il sort pratiquement dans toutes les localités du pays. Ça, c'est une détermination populaire face à l'imposition et à l'inquisition. Qu'est-ce que vous pourrez dire sur ceci, Dalila Taleb? Oui, ça c'est encore une des méthodes policières des dictatures dépassées par l'évolution de l'intelligence populaire. Je veux dire, cette répression qui s'abat sur les hirakistes, des arrestations là et l'emprisonnement et des tortures, surtout ça c'est cette torture de jeunes étudiants à la fleur de l'âge,
dans des endroits comme Ebla, là où ils font les tortures les plus horribles qui nous rappellent le colonialisme. C'est pour ça que les jeunes disent dans la rue Hadidoula ou la Estéamar. Parce qu'on a du mal à croire que ça, c'est nos gouvernements, c'est ceux qui gouvernent l'Algérie, ceux qui dirigent l'Algérie. C'est ce dirigeant de l'ombre, au fait, ceux qui décident et ceux qui. Quel crime ont commis ces jeunes, filles et garçons? Ils ne distinguent pas. Le vendredi passé, ils ont arrêté un gosse de 11 ans. Mais c'est inconcevable, c'est inadmissible. Comment qualifier ce genre d'acte criminel qu'ils commettent? Et encore, malgré tout ça, ils en restent déterminés à continuer. Ceux qui sortent les vendredis sont déterminés à continuer, quel que soit le risque. Ça, c'est une grande leçon au pouvoir algérien et à l'opinion internationale. Que quelles que soient les intimidations, quelles que soient les répressions, quel que soit ce qu'ils commettent à l'égard des Algériens, de la jeunesse et du Hirak, nous n'allons pas arrêter. Donc ça, je veux dire qu'ils se mettent en tête, que ça dure une année. Moi, je dis que ça dure 2 ans ou 3 ans par rapport aux enjeux et aux intérêts. C'est normal qu'ils résistent autant à ne pas écouter cette population, et ça leur ressemble d'ignorer le peuple parce que c'est une dictature qui s'est imposée, بالتزوير, بالقمع. Est-ce qu'on est imposé de cette manière? Elles ne se sentent pas redevables, nous, quelqu'un ou des élus du peuple, ils se sentiront redevables envers le peuple. Mais malheureusement, ils ont été désignés par nous n'oublierons jamais l'histoire du groupe de Oujda. Comment ils ont pris l'Algérie par la force et ils ont éliminé tous les grands hommes qui ont libéré l'Algérie. Je veux dire, quand on connaît l'histoire de notre pays, on ne risque pas d'être choqué ou déçu, mais tout simplement, on continue à être déterminé, quel que soit le prix à coûter. Et je salue et je tout ma solidarité, mon soutien à toutes ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui ont été emprisonnés. يروح صوتي يا كليت ليكوتور انا ستكش ليكوتور انت اوكي جو في لونفي اوكي جي انتوندو است كو سا فا ميو كوم سا اتوندي انا ميد مليح وي وي نسلم هاي يا دونك جو ديزي كيل كو سوا لو بري نكون نكمل منو غنى المن اون ليبر لالجيري entre les mains de cette dictature, de cet état policier, de ces méthodes et pratiques anciennes, des anciennes dictatures. Et je réitère mon soutien et ma solidarité avec tous les détenus, avec ceux qui ont été torturés avec des méthodes dignes du colonialisme et parfois pire. Et donc, que ce pouvoir comprenne une bonne fois pour toutes que nous ne baisserons pas les bras, que nous allons continuer, comme disait Che Guevara, hasta la victoria siempre. Ça veut dire jusqu'à la victoire, toujours jusqu'à la victoire. Merci. Merci, Dalila. Docteur, est-ce que vous pouvez ajouter un mot par rapport à la répression, par rapport à l'état politique, par rapport à toutes les entraves que les Hirak rencontrent, en particulier dans les wilayas de l'Ouest. Oui, mon ami. Écoutez, la wilaya de l'Ouest, ils se sont concentrés carrément pour casser le Hirak à ce niveau. Mais dans tout le territoire algérien, le pouvoir essaie par tous les moyens, y compris par ceux qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire la répression, pour nous faire arrêter. Ils ont emprisonné des gens sans vraiment aucun chef d'inculpation palpable ni raisonnable. Ils ont pris des gens vers, comme disait ma camarade, Antar ou Ebla, pour les terroriser, je dirais,
et les torturer, l'histoire de Nqish est toujours ancrée dans nos têtes. L'horreur est toujours vécue par lui dans sa chair et par le peuple dans son honneur, monsieur. Voilà ce qui se passe. Même à Alger, vendredi dernier, on n'arrivait pas à marcher parce qu'il y avait beaucoup plus. Pratiquement, il y avait un policier pour 2 ou 3 manifestants. Je ne dirais pas manifestants, mais on était des marcheurs pacifiques. Je les voyais en train de les bousculer. Je les voyais en train de bousculer Khalte Fatma, qui est réellement très fatiguée, qui est à un stade de sa maladie où elle devrait se reposer au lieu de sortir tous les... Khalte Beya, oui, je suis désolée. Je l'appelle toujours Fatma. Oui, il fallait la voir ce vendredi, la pauvre. Elle a été bousculée, mais elle n'a pas arrêté. Elle s'arrêtait de temps en temps à côté, juste au niveau du trottoir pour se reposer, et elle reprenait la marche. Voilà ce que c'est que le peuple algérien. Ce n'est ni ce pouvoir vicieux, ni ses acolytes. Ils devraient le comprendre. L'histoire a commencé pour eux en 62. L'été 62, ils ont spolié notre révolution. Ils ont pris notre indépendance. On a eu la liberté, certes, mais pas notre indépendance. Le clan d'Oujda devrait comprendre qu'au bout de 58 ans, pratiquement, on en est à la 59e année, on veut vivre librement en Algérie. On veut sentir cette indépendance. Cette indépendance pour laquelle nos parents se sont sacrifiés. Nos parents sont peut-être morts pour que nous puissions vivre dans un État démocratique, nous puissions surtout nous épanouir. On n'en est pas encore là. Nous, on lutte pour que nos enfants puissent le faire le plus normalement du monde. Moi, personnellement, j'ai toujours dit, j'aimerais voir les futures générations vivre en toute démocratie, vivre sans avoir peur d'être pris par un policier, par un DRS, dans un centre où il n'en ressortira pas vivant. Et s'il en ressort vivant, il en aura des tortures aussi bien physiques que morales durant toute sa malheureuse vie. On dit basta, basta, basta. Et je vous remercie. Merci, docteur. Toujours dans la même option, le paroxysme a atteint son horreur le 8 mars contre la femme algérienne. Est sorti pour célébrer une journée qui lui est chère et il a été malmené à Alger, en particulier à la place Odin et à la Grande Poste. Je pense que le pouvoir, je ne pourrais pas lui donner un qualificatif parce qu'il dépasse toutes les horreurs possibles et toutes les stades. Pour moi, il est à sa fin. Il a peur. Surtout par rapport au 8 mars, la femme algérienne, elle a été malmenée par cet état policier à Alger. Dalila. Oui, Akli. Effectivement, cette commémoration était très symbolique dans le sens où il montrait ce contraste, l'engagement de la femme, la détermination de la femme algérienne qui est connue de par l'histoire. Et en face, un pouvoir qui ne distingue pas. Il ne distingue pas une personne âgée, un enfant, ou un étudiant, ou une femme, ou une vieille. Sa répression et sa violence et sa peur parce qu'il est acculé fait qu'il devient aveugle, il tape à tout bout pourtant. Et ça, c'est ses habitudes, c'est ses pratiques. Je veux dire, il n'a pas changé depuis. On a vécu tous, je veux dire, même si on revient aux années 90, on a vécu en plein, le pays était à feu, à sang. Je veux dire, les plus ciblés étaient les femmes, et ça ne changera pas aujourd'hui. Je veux dire, les enlèvements, les arrestations, les violences, c'est les pratiques du pouvoir depuis toujours, depuis l'indépendance de l'Algérie, y compris le règne des pouvoirs avec la force. Il continue à le faire, mais il est temps de lui dire, c'est votre fin est arrivée.
Vous avez réprimé les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées. On a vu des personnes âgées qui ont été bousculées, mises par terre. Vous savez, ce qui est impressionnant au Chirac, c'est que tu vois, quand un vieux tombe, les jeunes courent pour le prendre. Quand il y a un jeune qui va être arrêté, les vieux et les vieilles courent pour le protéger. Et vous voyez cette solidarité, cette fraternité, cet humanisme au niveau du peuple algérien contre ce pouvoir répressif, policier, dictatorial. Donc, quel que soit le prix, on lui montre à chaque fois. Je veux dire, quand vous voyez des gens de l'Ouest, de l'Est venir à Alger, ou quand on voit qu'il y a une répression qui s'abat sur le Hirak à Oran, et tout le monde va en solidarité à Oran, quelle que soit la région où il y a une répression un vendredi, le vendredi d'après, de différentes régions, ils y vont pour son signe de solidarité, de soutien. Je veux dire, il est dans le Boukhaout, on a fait le Gherb, on a قاسونا الى ضربوا في العاصمه قاسوا لي زوت ريجيون ainsi de suite et ça fait les points forts de ce mouvement populaire révolutionnaire. Même s'il y a des gens qui disent révolution c'est autre chose, je leur dis tout évolue, même les formes des révolutions elles évoluent, comme les formes de communication ont évolué. Par exemple, avant on faisait pas sur Facebook. Qu'est-ce qui a fait que les gens ont sorti ici ou ailleurs? C'est par ces réseaux sociaux qui n'existaient pas avant. C'est pareil pour la révolution. Elle va changer les noms classiques connus des révolutions. Et ça, c'est une nouvelle manière de faire qui est extraordinaire. Même si elle a impressionné l'opinion internationale, mais les enjeux et les intérêts des uns et des autres a fait qu'on veuille à tout prix réprimer. Ils ont fait des élections, soit à Tebboune, soit à Dousko. Et je veux dire, ils sont illégitimes. L'opinion internationale le sait, vous croyez qu'elle le sait? Elle le sait. Mais ses intérêts sont la chose la plus importante. Et de ce fait, notre combat, c'est pour ça, moi je dirais, ils croient qu'ils vont nous avoir à l'usure. Ça, c'est encore quelque chose qui ne marchera pas. Quel soit le temps, le prix à payer, nous irons jusqu'au bout. Hattan du l'Istiklal. Merci. Merci, Dalila. Maintenant, c'est par rapport aux médias. Nous assistons à ce que les médias algériens ne racontent pas tout ce qui est à faire avec le Irak. Mais les réseaux sociaux, le Irak, il est très implanté. D'ailleurs, c'est grâce aux réseaux sociaux que la révolution tient debout. Qu'est-ce que vous en faites comme conclusion par rapport aux médias, alors que les médias, les médias, c'est des médias algériens, nous avons notre droit de passage en tant que mouvement, en tant que peuple, en tant que citoyen, mais tout est bouclé. Et quand quelqu'un dit une vérité sur un réseau social, et il harcèle ou il l'arrête. C'est ça où le bas blesse. Docteur Boudissa. Oui, je reprendrai si ça ne vous dérange pas pour le 8 mars. Parce que... ouais. Comment? Oui, j'ai entendu. Mais vous avez posé une question pour le 8 mars. J'aimerais bien vous répondre sur quelque chose. Le pouvoir a oublié que nous sommes les filles de Fatma Sommer. Le pouvoir a oublié que nous sommes les filles de Jamila Bouhered. Le pouvoir a oublié que nous sommes les filles de Bey El Tihla, comme on dit. Il a complètement occulté ceci. Et c'est pour cela qu'il n'arrive pas à nous comprendre. C'est un dialogue de sourds, pratiquement. Pour revenir aux médias, vous venez de le dire, les médias, normalement, sont un bien de l'État et non de ce pouvoir despote. Normalement, on devrait avoir l'avis et l'avis contraire. Mon avis et celui de Dalila peuvent ne pas correspondre, mais on peut en discuter normalement sur un média. Nos médias, au contraire, sont en train de suivre ce que leur dicte ce pouvoir. Je vois
énormément ces médias. Je vois El Hayat, je vois El Nahar. El Hayat, ça ne retrouve que les points négatifs du Hirak. Or, ils n'en ont pas trouvé. Au contraire, ils les ont créés. Les médias, quand vous avez votre reçu d'électricité, vous payez pour la télévision. Votre reçu d'eau aussi. Votre facture de téléphone aussi. Malheureusement, ça s'applique pour un État. Nous avons un pouvoir despotique qui gère, qui s'est approprié nos biens et nos vies. C'est pour cela que Hirak s'est levé, c'est pour cela que le Hirak ne s'arrêtera pas et ne s'assiera pas jusqu'à ce qu'il parte. Tout ce qu'on veut, qu'il parte gentiment, ça a toujours été la demande du Hirak. Ça sera toujours une silmia, nous les dénuderons. Gentiment, nous sommes en train de les dénuder, même si les pays du Nord sont en train d'être, mais alors là, à 100% avec eux, mais leurs peuples sont en train de voir ce dont le peuple algérien est capable. Et on en est capable. Il suffit de croire en nous, monsieur. Et c'est ce qui se passe. Par contre, merci, c'est vrai docteur, que les pays du Nord... Merci beaucoup. Je suis désolée. Je finis cette phrase seulement. Les pays développés essaient par tous les moyens de nous laisser dans notre obscurité pour qu'ils puissent profiter de ce pouvoir despotique parce qu'il les arrange énormément. Et c'est pour ça que même les médias dits entre guillemets démocratiques, évolués, ne parlent pas assez du Hirak pour ne pas réveiller les consciences. Merci, monsieur. Merci, docteur Boudissa. Dalila Taleb, par rapport aux médias, merci, et l'absence des médias par rapport à cette révolution. Et parfois, il y a certains médias qui déguisent la vérité et qui désorientent l'opinion nationale par rapport à ce qui se passe. Parce que ce qui se passe dans certains wilayats, on le connaît pas parce qu'il n'y a pas une information fiable des médias lourds. Donc, qu'est-ce que vous en dites par rapport aux médias et la révolution? Oui, il y a des expressions que j'aime beaucoup. Moi, ce génie populaire, j'adore les expressions qu'ils disent. Quand ils te disent, nos jeunes, sur la chaîne de ta public, Zama public, parce que la notion du public, elle a changé. Comme disait encore Fouel Kahmed, il disait qu'ils ont privatisé l'État. C'est devenu leur bien. Donc, je disais, les jeunes hadou, ils appellent la chaîne publique qui est censée être la chaîne de Tal-Shab, ils l'appellent Yetima. Les autres, les chourouk, les je ne sais pas quoi, hadou qui se moumkhanet zigo, hachakoum ou hachakhdelkoum. Ça veut tout dire. Quand ils nomment, ils donnent un qualificatif à ces chaînes, on comprend tout de suite, Nahar ou Shourouk Kanat Zigou, où ils disent Berber Télévision, le Magharibia, Kanat Chab. Parce qu'effectivement, c'est les seuls, et rares encore quelques-unes d'autres, qui font. L'Hkoul Daraja, ils sont arrivés à un point où ils prennent des images du Hirak. Et bien sûr, sans sang, parce que s'il y avait le sang dans ces images, on aurait entendu les slogans. Ils prennent pour dire les dames de Boule, les dames de Stone, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Heureusement qu'il y a d'autres médias qui montrent l'image et la voix. Cette manipulation, cette perversion de la réalité, c'est les pratiques de ce pouvoir, on les connaît, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui. Et on les a vécues sous toutes leurs couleurs. Mais heureusement qu'il y a ces réseaux sociaux aussi qui soutiennent les rares chaînes et les rares radios qui portent la voix du peuple. Et donc, c'est vrai, ça nous rend la tâche difficile, mais vous vous rendez compte, avant, les médias étrangers, quand il y a quelque chose en Algérie, ils rapportent. Là, ils sont devenus muets sur la révolution de Al-Hirak. Et ça veut tout dire.
Ça veut tout dire. Et ça, nous l'avons compris. Tous les agents qui sortent le vendredi, les mardis, pour dire ce qu'ils pensent, je veux dire, on s'est fait à l'idée que le pouvoir, il s'est pris comme son bien les chaînes publiques, et ceux qui sont les chaînes privées, il les tient par la main qui leur fait mal, et donc les publicités, ceci et cela. On sait comment il a fait pour la presse écrite. Ces pratiques, elles ne sont pas nouvelles. Et nous, nous avons trouvé et nous trouvons toujours un moyen de faire passer le message, de communiquer entre nous et de communiquer à l'opinion nationale et internationale ce que nous faisons, ce qui arrive et la répression et les emprisonnements. Vous voyez, par exemple, quand il y a une arrestation, tout de suite, elle est repérée par tous ceux qui sont sur, et l'information, elle sort. Et tout le monde est au courant de la même chose et tout le monde est sur la même longueur d'onde. Donc moi, je suis très optimiste, quelles que soient les fermetures du champ médiatique, du champ politique, la fermeture, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de manifestation, aucun droit, aucune liberté n'est garantie. Au contraire, elle est réprimée, bafouée. Donc nous sommes habitués à subir ça. Et même nous allons pas, le plus important, c'est que nous allons pas arrêter et que nous trouverons avec nos moyens, avec notre intelligence, comment passer le message, comment communiquer, comment avancer. Et je suis très confiante, et je suis très fière de ce qu'est l'Algérien, jour, il nous montre qu'il est extraordinaire, tout simplement. Donc voilà, les médias, j'essaie de vous expliquer un peu ça brièvement. Voilà ce que j'en pense. Dans certaines marches, même le peuple connaît ses adversaires. Hein. Certains médias, ils sont vite sortis des marches. Tout à fait. Mais il y a juste un truc à Kli. Ceux qui ont frappé les journalistes le vendredi passé, c'est des baltadis, c'est pas les manifestants. Et tout de suite, on parle de la communication, tout de suite, les images de ces jeunes-là, et d'où ils viennent, et qui sont tout de suite affichés sur les réseaux sociaux. Vous avez vu un peu cet élan extraordinaire, parce que quand on veut coller quelque chose au Hérat, il y a tout de suite des jeunes de tous bords, de toutes régions, à différents niveaux sociaux d'Algérie. Tout de suite, ils repèrent la personne, le nom, la région, d'où il vient, qui il est. Et pour démasquer ces complots qu'essaie de faire le pouvoir, pour dire le Hirak, il est, voilà. Ils veulent nous pousser à la violence, mais ils n'arriveront pas. Nous sommes déterminés, nous avons survécu beaucoup d'épreuves, et ça va que devenir que plus fort. Voilà. Merci. Par rapport à la communauté internationale, après ce qui se passe en Birmanie, l'ONU quand même, il est arrivé à épingler l'Algérie. Il a épinglé même la junte militaire birmane par rapport aux exactions à la révolution des Birmans. Et ici, en Algérie aussi, l'ONU, pour une fois, il a épinglé l'Algérie par rapport au dépassement, par rapport au droit de marché. Donc, qu'est-ce que vous en dites sur ceci, docteur Boudlissa? Je continuerai pour rappeler à ma camarade Delila que nos propres médias, les médias du Hirak, puisque aussi elle aussi en fait partie, que nos propres médias, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp, c'est tout ceci. Et je vous ferai rappeler, Ekli, mon ami, que le premier média étatique algérien, le premier à mentir, c'était le média du Cheb, c'était le Cheb qui a dit que le père de la révolution algérienne, Ben Ramdan, était mort au champ d'honneur, or qu'il avait été tué par ses pères. Je ferme la parenthèse. Maintenant, pour l'ONU, on vient de le dire. Nous avons des médias peut-être anachroniques par rapport aux médias usuels, mais c'est des médias qui rapportent tout. L'ONU est beaucoup plus au courant de ce qui se passe en Birmanie, en Algérie et ailleurs par les réseaux sociaux que par les télévisions étatiques, surtout quand c'est des télévisions qui font partie d'un État despotique.
Voilà le problème. Maintenant, la résolution de l'ONU est une résolution qui va pratiquer, qui est positive pour le Hirak. On devrait s'en accaparer et essayer de prendre le plus je vous dirais de prendre des avantages pratiquement à cette résolution parce qu'elle nous rend pratiquement grâce et elle nous avantage par rapport au pouvoir. Et c'est pour moi, en ce qui me concerne, une très très bonne initiative de l'ONU. Merci. Dalila. Alors sur ça, il y a à boire et à manger. Je veux dire que l'ONU met des années pour dire qu'il faut arrêter la répression sur ces agents qui sortent chaque vendredi, chaque mardi. Elle en a mis du temps. Je veux dire, on l'a vu sur d'autres pays, d'autres événements. 2 ans. Exactement, ils ont réagi très vite. Le Birman est un très grand exemple pour ce que subissent les pauvres Birmans et que l'ONU soit muette pendant tout ce temps aussi. C'est des horreurs qui sont commises là-bas. Maintenant, l'Algérie, je veux dire, je me rappelle les années 90, on a sillonné beaucoup de pays étrangers et beaucoup d'institutions internationales pour les interpeller sur ce qui se passait les années 90, où l'Algérie était à tout se passer à huis clos, et on veut lui faire sortir notre voix à l'extérieur. Mais je reviens aux intérêts et aux enjeux. Je veux dire, je reprends cet exemple qui m'a choqué les années 90, quand j'ai acculé un peu les parlementaires européens sur leur silence et tout ça, ils m'ont dit à un moment donné, ils m'ont dit, l'Algérie c'est la propriété de la France. C'est la chasse gardée de la France, voilà, c'est la chasse gardée de la France. Je me rappellerai toute ma vie de cette phrase. C'est parce que j'ai acculé pour qu'il se prononce et il a donné ça. Donc, on n'oublie pas qu'il y a cette... Mais malgré tout, en parlant de tous ces militants, qui sont devenus militants, tous ces agents qui sont devenus des militants, même notre diaspora à l'étranger, tous les agents qui sont à l'étranger, qui manifestent aussi, quelles que soient les conditions, ils sortent et ils s'expriment, quel que soit le nombre, ils sortent et ils s'expriment d'une manière extraordinaire et font un travail individuel au niveau de ce genre d'organisation internationale. Je veux dire, ce n'est pas tombé du ciel. Je veux dire, tous ces agents qui manifestent à travers plusieurs pays du monde, à aller envoyer des lettres et des plein de choses pour interpeller ces organisations internationales, ces institutions internationales. Donc voilà, pour se dire, voilà, pour avoir bonne conscience. Et oui, c'est il faut arrêter de supprimer les manifestants. Après presque 3 ans de dire ça, c'est pour moi, c'est de l'arnaque, ça. Je veux dire, ils peuvent faire plus. Mais quoique l'ONU, je veux dire, son rôle est devenu de moins en moins crédible par rapport à tous les à travers le monde. Et quand on a le gendarme du monde qui dicte et qui viole, je dis par là les États-Unis, qui viole beaucoup de pays, rentre, casse. Je veux dire, où est cette ONU quand il fait ce genre de choses? Et voilà, donc même si on interpelle les institutions internationales, même si la gravité, c'est que l'Algérie est signataire de conventions internationales sur les droits de l'homme, où elle est censée le respecter, et de toute manière, ce pouvoir, il viole même ses propres. C'est pour ça que j'explique toujours, si on revient à l'origine de la crise en Algérie, on comprend toutes ces pratiques, tout ce qui est en train de se passer. Quand le groupe de Oujda, il a pris le pouvoir de force, il a effacé d'un revers de la main le gouvernement provisoire, il a été dans une salle de cinéma pour faire la constitution en ignorant l'existence de la constituante. Quand Boudir a été kidnappé, quand Ekrem s'est levé à l'Assemblée pour dire voilà, c'est Mohamed. Je veux dire, si vous avez dans les années 62-63 genre de pratiques, on ne va pas nous étonner quand ça continue en 2021. Tous les Algériens ferment. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire. Que les Algériens résistent,
La peur, ils ont cassé la lumière de la peur, et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire tout simplement qu'ils finiront par partir. Et le parcours, ça arrivera le plus tôt possible. Moi, j'ai vu, vous savez, quand le Hirak a commencé, je suis sortie, la première fois, il y avait des lycéens qui ont marché, ils sont arrivés au parc des Galons. On met les barrières de policiers, et ces jeunes-là, quand il y a eu les lacrymogènes, ils ont pris des pierres. Est-ce qu'on peut se dire, arrêtez, ne faites pas ça? Il y a des jeunes qui, tout de suite, comme ils décliquent, ils ont arrêté les autres, ils ont essayé d'enlever les poubelles, ils sont redescendus vers Odin. Le 22 février, c'est pareil. On arrive, vous voulez monter le Moravia, ils ont fait aussi, des policiers, on s'en fait tout le chemin, ils les ont frappés par le lacrymogène. On est redescendu par Odin, d'où notre présence maintenant sur le Bidou chez Odin. Parce qu'au début, c'était l'objectif, c'était le Moravia. Mais on ne voulait pas arriver à la violence, on voulait maintenir la pression de sortir sur la place publique. On s'est dit, bon, ils veulent nous réprimer, arriver à l'utilisation de la violence. On n'ira pas au Moravia, ce n'est pas grave, mais nous sortirons, nous continuons à nous exprimer. À nous imposer, à nous rendre visibles, à nous rendre visibles. Tout ce que je disais, on est mieux qui se passe en Algérie, on ne sait pas. Maintenant, tout le monde le sait, l'a vu, et que chacun a pris son silence et sa complicité avec ce pouvoir. Oui, pardon. Les Algériens se rappelleront de tout ça. Il y a un retour de son. On va continuer. Qui nous arrête? Comme on dit la fameuse expression, ils ont beau couper toutes les fleurs, ils ne répondent pas à la venue du printemps. Merci. Merci. Il y a un retour de son avec lui. Hein. C'est chez Dalila. Bien sûr. Il y a l'écho. Il y a un écho, oui. Parce que j'ai fermé la pièce pour ne pas avoir de bruit, mais je ne sais pas si je dois ouvrir pour que ça aille mieux, non? C'est où la Sonia? Voilà, je vais ouvrir les portes pour ça. Je ne sais pas si c'est la caméra peut-être de Lemia, parce qu'elle est en cam, donc c'est les bœufs. Isouraka, ça va? Toura, ça va. Je l'ai. Voilà. Bah, c'est le fait que j'ai fermé les portes, je me suis dit que le son passe bien. Finalement, voilà, c'est ouvert et ça va mieux. Alors, on continue. Donc, c'est pour la question suivante. Le peuple algérien aspire à une réelle transition démocratique, à l'instauration de la Première République, parce que la Première République n'a jamais vu le jour, et à l'instauration d'une Assemblée nationale constituante. Et le pouvoir algérien, Elle continue sa feuille de route, dissolution des assemblées locales APC-APOUI et SINA, et il ouvre la loi électorale pour... Il a même arrêté la date des prochaines élections le 12 juin. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus, docteur Lamia Boudissa? Merci Akli. Le pouvoir est complètement sourd. Nous avons un pouvoir autiste qui suit une feuille de route, quitte coûte que coûte. Quoi que ça lui pèse, il ne suivra que cette feuille de route. Pour en revenir à la première nation que tout le monde voulait, elle a été écrite noir sur blanc au congrès de la Soumam. Nous aurions pu avoir un pays maintenant, démocratiquement, économiquement, culturellement, très évolué. Parce que tout y est mis. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes ont décidé de tuer le père de la révolution. Ils ont décidé de tuer l'œuf, de tuer pratiquement l'embryon dans l'œuf, parce qu'ils n'en voulaient pas. Ils avaient déjà décidé, bien avant l'indépendance, de spolier nos richesses et de surtout spolier nos vies. Ça se répète maintenant. Nous, on leur parle
Comment? J'ai dit voilà. Voilà. Nous voulons une Algérie évoluée, démocratique, avancée, économiquement, culturellement, agriculturellement. Tout ce qu'on veut, c'est de vivre bien dans notre pays. Mon Dieu, on a 2 millions de mètres carrés dans un pays où vous avez du nord au sud pratiquement un continent. Vous avez le nord avec sa verdure, le sud avec son pétrole et sa beauté. Nous avons les 4 saisons par jour. Nous avons notre agriculture. Nous avions tout. Nous aurions pu réussir si on n'avait pas eu ignare, despotique, têtu, qui ne veulent rien entendre. Tout ce qui les intéresse, c'est leur bien, leurs bénéfices, les dividendes qu'ils peuvent tirer de ce pays, les biens qu'ils pourront construire ou acheter à l'étranger, surtout, comme disait tout à l'heure ma camarade, au niveau de la France, qui, elle, nous prend pour sa chasse gardée, qui ne voudra d'aucun autre pays ici pour profiter des largesses de l'Algérie. C'est pour ceci que ma camarade parlait de l'ONU et des commissions européennes qui l'ont toujours dit. C'est très bien. De Gaulle a déjà appelé l'ONU le machin. Il n'avait pas tort. Ce machin, on est en train de l'acculer. On est en train aussi d'acculer ce pouvoir. On espère réussir. Tout ce qui est sûr, c'est que le 12 juin, ça va être un flop comme ça a été le 12 décembre. Comme ça a été le 1er novembre de 2020, nous savons que le peuple ne suit plus. Nous avons un peuple qui s'est réveillé, qui ne veut plus se rendormir. Le peuple algérien a toujours été aux aguets. Ce n'est pas parce que en 62, il n'a pas repris la révolution. On peut comprendre, c'était un peuple épuisé, amaigri, affaibli, tout ce qu'on veut. Maintenant, nous avons eu 59 ans pour nous reposer. Nous savons ce que nous voulons et nous l'aurons. Quoi que ce soit, quels qu'en soient les sacrifices pour notre Algérie. Moi-même, et je suis sûre, ma camarade Delila, Ekli, Sonia et les 40 millions d'Algériens feront tout pour que ce pays soit indéfiniment et à jamais indépendant. Indépendant des tentacules de la France, indépendant de ces despotes qui ne font que pratiquement, comme a dit Fleg, creuser quand on est déjà arrivé au fond. Merci. Merci. Dalila, est-ce que tu peux en rajouter quelque chose sur ça? Ben oui, que le pouvoir projette. Vous savez, j'essaie de ne pas monopoliser parce qu'on a gros sur le cœur et on a tellement de choses à dire. Et c'est dur de pouvoir résumer. On fait des efforts pour pouvoir résumer, pour arriver dans les temps à parler du maximum de choses possibles. Je tiens à préciser quand je donne mon avis que ça n'engage que moi. Je parle pas au nom du Hera. Ça, c'est très important pour que je le dise. Je veux pas qu'il y ait de la manipulation ou de la perversion. Donc, je parle pas au nom du Hera. J'exprime mon avis qui n'engage que moi. Et je dis la chose suivante. Le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a agi? Il a affaibli la société civile, donc les associations. Vous savez qu'avec les ils n'ont donné aucun agrément depuis disons 80, les années début 90, ils ont arrêté de donner les agréments pour les syndicats, pour les associations. Les syndicats. Oui, qu'est-ce que je disais? Syndicats, associations, partis politiques, arrêtez de donner, sauf à ceux qui font campagne au pouvoir. Parce que, par exemple, on se rappelle des soutiens à Bouteflika, les associations ont se poussé comme des champignons pour soutenir Bouteflika. Ils ont eu l'agrément et l'argent et les médias et tout. Donc, mais ceux qui sont autonomes, donc ils n'ont pas laissé qu'ils naissent d'autres organisations autonomes, mais pire que ça,
il a fait de sorte, est-ce que il n'existe plus ni de syndicats, ni d'associations. Rares sont ceux qui ont survécu, même les partis. Parce que vous imaginez, s'il n'a pas placé de l'intérieur, il a fait exploser des organisations, parce que le risque était, si ça existait à ce jour, les organisations n'ont pas été explosées, aujourd'hui, il y a ceux qui joueront le rôle de soutenir les revendications politiques que le Hirak demande. Parce que la sortie du peuple est une chose, et ceux qui doivent prendre ce genre de revendications, exprimer politiquement ces revendications, pour pouvoir partir et trouver juste la suivante, la Hiwa. On vient pas discuter parce que vous n'êtes pas en position de force, on est faible. On est fort, on est sorti, et c'est vous qui êtes faible. Donc on devrait juste discuter des choses de comment se fera votre départ. Comment se fera votre départ. En revenant aux revendications de comment est la solution, je l'ai exprimé déjà plusieurs fois. Moi, la seule truc entre qui et moi, je crois, on a deuxième république. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Pas ici qu'on va le déclencher. Peut-être on en fera une autre émission si vous le désirez. Il est impératif. Et ça ne peut passer qu'à travers une transition démocratique. Donc, cette transition, elle est très connue. Elle est très connue, je veux dire, ça a été vécu par plusieurs pays qui sont passés d'un dictateur à la démocratie. Ou l'Espagne, l'Afrique du Sud, beaucoup de pays ont vécu ça. Donc, nous, la nécessité de faire cette transition pour tous les acteurs sociaux et politiques, personnalités, puissent gérer cette transition. Un gouvernement provisoire avec une convention où il y aurait tous ces acteurs. Un qui gérera les affaires courantes pour préparer l'élection de l'Assemblée constituante qui refera une constitution, une vraie, et nous les Algériens connaîtront. Parce que cette constitution qui a été faite du salle de cinéma par un groupuscule de personnes ne représente pas les Algériens, ne porte pas ce que les Algériens voudraient qu'il y soit. Et que l'Assemblée constituante n'a pas pu faire après l'indépendance, cette constitution sera celle qui respectera les droits et les libertés collectives et individuelles, celle qui sera représentative de toutes les obédiences existantes en Algérie, celle qui sera tolérante des différences existantes en Algérie, celle qui mettra les Algériens hors de leurs problèmes et au-delà de leurs difficultés. Ça ne peut pas se passer à travers une transition démocratique et une assemblée constituante. Après viendrait l'élection présidentielle ou les élections locales. Mais ça, c'est le socle pour lequel se construit la démocratie. Et ça ne peut pas se passer autrement, même si le pouvoir diabolise. Vous savez, comme disent les jeunes, ils disent quand celui qui ne connaît pas du tout, a le pouvoir de prononcer quelque chose, où il est contre, les Algériens comprennent que c'est quelque chose de bien. Maintenant, c'est très clair. Le pouvoir s'attaque à quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose de bien. Le pouvoir soutient quelque chose, donc c'est quelque chose de mauvais. Les Algériens l'ont compris, et Marhal Intérieur a été revendiqué dans plusieurs marches, et c'est un seul issue qui frappe l'Algérien de grain de avec une démocratie, qu'on ait un état de droit, et qu'on puisse construire une Algérie pour les démocraties. Voilà, j'espère que c'était assez clair, même si j'essayais de résumer. Merci. Maintenant, c'est pour le docteur Boudissa. Faut-il se contenter des manifestations de rue mardi ou vendredi seulement? J'ai déjà donné mon avis une fois. Pour moi, non. Je pense sincèrement que c'est très bon de sortir le vendredi pour tout le monde, le mardi pour les étudiants, même si avec les étudiants, vous allez trouver beaucoup de personnes, beaucoup de vieilles personnes qui sortent avec eux pour beaucoup plus pour les protéger contre le diktat des policiers que pour marcher avec eux. Mais c'est vrai que c'est des Algériens.
Pour moi, il y a deux solutions. Soit nous fixons une journée pour chaque pratiquement profession ou chaque confrérie. Nous pouvons par exemple sortir le samedi pour les femmes, le dimanche pour les médecins, le lundi pour les hommes. La deuxième proposition, je vais peut-être être un peu plus dur, mais une désobéissance, rester à la maison, ne pas sortir, ne pas se faire tabasser par les policiers serait une bonne décision à condition qu'on y pousse au maximum. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Je vous rappellerai que avant l'arrêt du premier Hirak, les gens le jeudi à 20h sortaient dans les balcons et faisaient un boucan de monstres avec les pilons parce qu'ils voulaient faire passer une information au pouvoir comme quoi on ne le voulait plus. Et je fais rappeler à ma camarade que l'achéoir départ obligatoire. Je pense qu'elle l'a lu pour moi. Donc, départ obligatoire. Voilà, mon ami. Le départ obligatoire ne se trouve pas comme pour une fée d'un coup de d'épée, bien au contraire. On est obligé d'augmenter le volume de nos chansons, de nos slogans, d'augmenter la durée des marches. Pour moi, on est arrivé à un moment où le peuple est très éveillé maintenant. Il est très conscient, on peut pratiquement évoluer dans notre Hirak. Le Hirak a fait un travail magnifique. Nous leur avons fait comprendre qu'on n'avait plus peur, que la chape de plomb, on s'en était débarrassé. On avait dépoussiéré toutes nos peurs. Le 22 février 2019, ils ont compris. Aussi bien les premiers, Gaït Saleh que Shingereha, parce qu'on ne va pas se mentir aussi. C'est beaucoup plus une chape militaire qui était pratiquement qui couvrait le peuple. C'est vrai. Maintenant, ils ont compris qu'on n'avait plus peur. Qu'on va où est la peur? On doit se mettre, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir des élites qui se mettent autour d'une table, qui s'expliquent, qui essaient de décider de ce que voudra le Hirak, bien sûr. Ça sera toujours ce que voudra tout le Hirak, tous les 40 millions du Hirak, et de voir ce qu'on peut encore faire et comment peut-on avancer dorénavant. Merci, mon ami. Merci, docteur Dalila. Est-ce que les marches, les manifestations de rue de vendredi et mardi suffisent pour arriver à renverser cette junte? Cette junte militaire, parce qu'il faut faire la distinction, les mots sont très importants, les nuances sont très importantes dans l'expression de nos revendications. Je dis bien une junte militaire, parce que l'institution militaire, elle est faite des enfants du peuple. C'est les enfants du peuple qui composent cette armée. Cette armée est censée, du point de vue constitutionnel, protéger les biens des citoyens et les frontières. On n'est pas censé la faire sortir pour la répression du peuple. Et ça, c'est le drame que nous vivons depuis la nuit des temps, depuis que ce pouvoir s'est installé de force et qui gère avec la violence toute voie qui n'est pas d'accord avec lui. Donc, cet entêtement du pouvoir d'aller à des élections bidons, à des élections où il y a la fraude, nous savons très bien que nous avions réagi lors de l'élection de ce Tebboune. Oui, les Algériens ont boycotté et le pourcentage était très faible, y compris celui qui t'a donné officiellement. Il était très faible. Mais malgré ça, je veux dire, il ne se gêne pas de siéger. Mais si qui m'a les pays où il y a de la démocratie, je ne veux pas siéger avec un 12%
mais je suis même pas un quart de la population à voter chez Alexis Mohamed, être le Darak. J'adore ce slogan qui résume un peu tout ce qu'on est en train de dire. Tbun mzour, djabouh la askar, meka sharaïa, ou shab tharr, ou wali karr, d'où la madania. Je veux dire, ce slogan, il résume un peu l'état des lieux. Donc, qu'il fasse des élections présidentielles, quand il va dissoudre une assemblée nationale, est-ce que je vais croire que vous voulez aller instaurer la démocratie? Mais tout ça se fait pour... C'est les clans qui réinstallent leurs hommes et leurs éléments. Mais il y a de la peine parce que c'est les clans qui ont été ou du cas, les clans qui se sont repositionnés, donc pour les éléments de Taouk, ils se repositionnent, ils placent au Taouk. Qui va chemin à la guerre des clans. D'un docteur, d'un de moi, il négocie au Bilaton, je suis le gouvernement. هذاش هو التماخي بيناتهم ماشي سامعين بالشعب ماشي سامعين بالانتخابات ماشي دونك يكونتينيو ا سون تيتي ا فير اونكور لور زافير دي انستيتيوشن دو ليتا دونك كي سون سونسمي اتر ايشو دو ليليكسيون دي سوفاج كي لو بيبل او لو بيبل ديفري سيكسبريمي دونك هادي عاده قديمه عند هاد الكوفوار ماشي حاجه جديده ما تخلعناش. Et donc, ils peuvent faire l'élection qu'ils veulent. Les Algériens sortiront, ils vont boycotter, ils vont sortir comme on a sorti le 12 décembre pour exprimer le refus. Il y aura des bureaux qui seront où il n'y aura pas une voix. Ils peuvent falsifier, mettre notre voix, mais de toute manière, nous, le combat continue. Allez, avec le jeune qui est parce que nous avons le combat. Et la journaliste, elle disait, voilà, ils ont eu ce qu'ils revendiquent. Maintenant, ils vont rentrer à la maison. Et le jeune l'a entendu. Il lui a dit, non, il touche au gars. Gars, ça veut dire complètement confondu de ce pouvoir. Soit cette junte militaire, soit la mafia politico-financière qui les entoure, soit leurs ramifications et leurs réseaux qui descendent vers le bas, même jusqu'à arriver au balpadi qu'ils envoient dans les marches. Maintenant, ce qui concerne ce que ils appellent en arabe Tassaïd, est-ce qu'on doit marcher plus? Est-ce que vendredi, mardi, chitous? Je dis que ce qu'a dit docteur Boudissa, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, docteur. Mais soyons réalistes. Vendredi, c'est où le week-end, tout le monde est en congé, c'est le week-end. Donc, les Algériens sortent en force. Le mardi, les étudiants l'ont choisi. Et c'était bien. Les débuts, il y avait des professionnels de la santé ou des avocats qui sortaient. Nous y travaillons pour que ça reprenne. C'est en train de se faire doucement, doucement, mais c'est un truc qui va reprendre. Mais la seule chose que j'ai entendu, docteur Boudissa, elle disait, parler de l'Islam Madani, mais je pense que ce que vous avez expliqué, rester à la maison, c'est comme la grève, c'est comme une grève. Donc, pour exprimer. C'est une grève, oui. Pour exprimer que les Algériens sont tous contre ce pouvoir, ils veulent son départ, que de rester chez soi, il n'y aura pas de problème de le faire pour tous les Algériens. Mais l'Islam Madani, dans le sens occuper les rues H24, je veux dire, c'est donné à ce pouvoir. Qu'il a fait les années 90, qui occupe la rue matin et soir sans arrêt, il peut décider un état d'urgence, un état de siège, toutes ces histoires-là qu'il a l'habitude de faire pour fermer absolument tout. Donc ne lui donnons pas occasion, faisons des actions intelligentes, comme ce que vous avez proposé, la grève que personne ne sort, comme celle des professionnels, comme les avocats, comme les médecins, comme chaque profession puisse sortir s'exprimer. Oui, parce que là, ça fatigue encore plus, ça nous donne plus de force et ça fatigue ce pouvoir qui essaie de réprimer les Algériens qui s'expriment pacifiquement le mardi et le vendredi.
Oui, mais ça nécessite un travail, une organisation. Comme disait Mouloud Mahamri Layahmou, on n'est qu'une question d'organisation, le reste c'est de la littérature. Donc, pour faire une action, il faut qu'elle soit bien préparée, il faut que ça réussisse. Nous sommes condamnés à réussir, mais pas prendre à la légère des actions qui demain ne donneront pas le fruit que nous voulons. Voilà, c'est la seule chose qui fait que les choses tardent, mais qu'elles soient bien réfléchies et bien préparées pour que ce soit une grande réussite qui se rajoutera au vendredi et au mardi. Merci. Merci, Dalila. Est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, docteur. Allez-y. Oui, oui. Oui, quand je parlais de SN Medali, de désobéissance civile, je ne parlais pas de désobéissance civile telle qu'on l'a connue dans les années 90. Je suppose que c'est très traumatisante. J'habite pas très loin du 1er mai, Dalila, donc je l'ai vécu dans ma chair. D'accord? Moi, quand je parlais de désobéissance civile, c'est qu'on restait, c'est comme la grève des 7 jours du FLN. Voilà. Tout le monde comprend une ville vide, on leur laisse le terrain et on va voir combien de personnes sont avec vous. Je suis prête à parier qu'il n'y aura pas 20 chats dans la rue, dans les quartiers. Voilà ce que je voulais dire par désobéissance civile. Oui, maintenant, je ferai rappeler à mon ami qu'il y a pratiquement une cinquantaine d'années, il n'y avait pas 20 personnes qui chantaient en vain le chant de la liberté. Ils étaient étudiants. Comme mon papa, fraîchement indépendant, universitaire, étudiant, lycéen, sans rien dans le ventre, pratiquement dormant par terre, mais ils refaisaient le monde à leur manière. Ils rêvaient de faire de cette terre un paradis, le paradis de la liberté. On les a appelés anarchistes, on les a appelés par les fascistes, c'est sûr. Sans crier, nous avons vu des montagnards, comme ils le disent, chantant à l'unisson, « Assamene et Mazeren ». Dans les palais, c'était très facile. Les débiles hurlaient « Voilà les Kabyles ». C'est ça le problème. Les années 90, on les a vécues dans notre chair. On les a très bien vécues par milliers, par dix, c'en était trop. À mort les islamistes, comme maintenant. À chaque fois, c'est des étiquettes qu'on nous colle. On a constitué des commandos, on a de la piracaille et on a fait parler la mitraillette. Comme le 5 octobre 88. C'est ça. Les militaires, c'est vrai que c'est des fonctionnaires comme nous. Quand vous avez un sous-officier, ce n'est pas lui la junte. La junte, elle est tout au sommet de la hiérarchie et elle nous étouffe. À notre tour de lui crier « Silmia, Silmia, rendez-nous notre liberté, s'il vous plaît ». C'est tout ce qu'on veut. Je pense qu'ils ont assez vécu comme ça, qu'ils pourront faire vivre eux, leur progéniture, jusqu'à la 7e génération. Qu'ils partent, qu'ils nous, comme vous l'avez dit, mon ami, de transition. On fera comme l'Afrique du Sud, on fera comme les pays qui sont passés par là, même s'il faut demander des conseils, on leur demandera. Il nous faut une transition et après, et tout ira bien, Inch'Allah. J'y crois dur comme fer, mon ami. Merci. Akli, je peux rajouter quelque chose? Hein? Akli, je peux rajouter quelque chose? Oui. Il y a un truc de taille, un point de taille, il est très important. Il faut arrêter de rendre la solution à travers quelques personnes. Quelle que soit la personne, je trouve que la solution salvatrice, c'est de se mettre autour de s'entendre sur certaines revendications, comme celles qu'on revendique depuis qu'on est sorti le 16 à Rabat et le 22 à Alger, autour de revendications. Quand on veut doubler Madania, on veut ceci transition. Qu'il y ait le respect, les libertés et les droits. Par exemple, je vous dis, autour d'un mécanisme avec des revendications. Parce que Redouard, il y a une charte sur laquelle on s'est mis d'accord. Ici, il y a une charte, il y a une charte,
je veux dire, ça ne fait pas que notre chemin s'arrête. Donc, il y a un djihad, mais le truc, le texte est là. Donc, se mettre autour de mécanismes et de processus du comment gérer cette transition, c'est ce qui est important. Et c'est pas autour de personnes, parce que les personnes changent, les personnes peuvent être menacées, les personnes peuvent être achetées. On l'a vu, on l'a connu de par le passé. Et donc, pour ça doit se faire, à mon avis, autour de mécanismes et de processus, pas autour de personnes. Merci. Voilà le détail que je voulais rajouter et que j'estime très important. Merci à Tim et Sonia. Justement, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à la manière avec laquelle traduire politiquement pour concrétiser les attentes du peuple? Par exemple, faire des conférences, faire des débats pour débiser le terrain, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Hirak ne fait que marcher. C'est vrai qu'il y a certains même qui disent il faut organiser ce Hirak. Il y a d'autres qui disent, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, non, plutôt il faut qu'il soit horizontal que vertical. Qu'est-ce que vous en pensez? À qui vous posez la question en premier? Peu importe. Allez-y, mon ami, il n'y a pas de alors, problème. Alors, docteur Boudi, ça va. À vous l'honneur. Merci, c'est gentil, mon ami. Alors, je disais, pour en revenir au Hirak, le Hizb al-Mu'arid al-Wahid, c'est Fakhamat al-Shab. La Ghair fil Maïden. On l'a écouté, on l'a même lu dans les pancartes ce vendredi-là. C'est vrai que maintenant, le Hirak, c'est le peuple. Nul ne peut décider pour lui, que ça soit moi, Dalila ou qui que ce soit, même Tebboune, même Shengereha. Le Hirak aura décidé, mais c'est vrai qu'on a besoin. On a besoin. Oui, on a besoin. Ah oui, bien sûr. Tu fais, on a mis le Hirak ou khir men hadouk. Voilà, absolument. Désolée. L'ami de mon ami est mon ami. Et l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Absolument. Donc, automatiquement. Voilà. Mais c'est vrai qu'une période de transition, ça se prépare. Il faudrait, je ne dis pas, et je ne pense pas qu'il y ait une personne qui pourra pratiquement représenté de libération nationale. Il était de plusieurs obédiences et c'est la même chose. Maintenant, il faut peut-être nous préparer, essayer de voir comment gérer cette période de transition pour que le peuple puisse choisir correctement. Karahna mil istihmar. Parce que de 1830 à 1862, c'était un istihmar connu et reconnu. De 62 à 2021, c'est istihmar au vrai sens du mot. Je m'excuse du terme, mais c'est le mot. On nous a toujours considérés comme d'éternels mineurs, comme d'éternels débiles mentaux qui devaient nous gérer. Et voilà où on en est. Nous sommes un peuple qui a toujours fait ses preuves. Et je ne parle pas de 1830. Je parle de la période des Amazirs. Juba a pris les armes. Messinissa a pris les armes. Axel a pris les armes. Pas parce qu'il était brut ou qu'il était... Non, vraiment pas. Parce qu'il aimait son pays. Nous, on a pris le sourire et on a pris la silmia. Et on arrive qu'il faut pratiquement nous organiser, nous embrigader pour que ça aille dans ce sens. Et je suis sûre que ça ira dans ce sens. Il suffit de niveler le terrain, d'essayer d'éliminer les malentendus, d'essayer, comme a dit mon ami, d'éviter les infiltrations et d'avoir un texte qu'on ne puisse pas bouger, parce que les personnes changent, les idéaux changent. Une charte. Et aussi les idées changent. Oui, si possible. Mais là aussi, il faudra qu'il y ait un consensus.
Merci. Dalila. Cli. Allô? Je peux, là? Oui. Je peux. Oui, une seule MD. Oui, oui. Ok. Moi, j'appellerais, oui, c'est ça. Pas une charte, je l'ai dit tout à l'heure, j'appellerais ça une convention. Une convention autour duquel serait, sauf Anaya, Hera qui dit les partis là-là, parce qu'il parle de partis qui ont été des satellites du pouvoir. Ça, oui, on les rejette. Ça, c'est une évidence pour moi. Mais, et même s'il y a peu de partis qui sont restés plus ou moins corrects dans ce qu'ils revendiquent et ce qu'ils font, qu'il y ait quelques rares syndicats et quelques rares associations et quelques rares personnalités, tout ça doit converger dans une convention et qu'on nous garde dans une convention. On sortira une feuille de route de qui fait la transition d'être, qui fait un gouvernement provisoire, qui fait préparer une assemblée constituante, qui fait on fera et autour de quelles revendications. Après l'assemblée constituante, qui connaît des représentants du peuple et de la constitution, voilà, c'est parce que l'assemblée constituante sera constituée de députés qui, dont le seul rôle et la seule mission, c'est de préparer une constitution. Qui sera après voté par le peuple. Donc ça c'est clair. Mais je dis, le Hirak, et il exprime des choses, mais pour nous, qu'on sache exactement ce qu'il y a dans le fond de la revendication. Parce que pour changer, parce que tu peux pas avoir tout le peuple dans un truc, tout le peuple. C'est un peuple qui revendique et qui soutient des revendications. Mais après, il y a des acteurs qui peuvent cristalliser toutes ces revendications dans une convention où ils seront tous représentés sans exclusion. Qu'il soit islamiste, qu'il soit laïque, qu'il soit athée, qu'il soit, je ne sais pas quoi, berbériste, qu'il soit, il est mikoun galim tloucheb, il est mikoun dans une convention qui préparera tout ce travail. Ça ne peut pas se faire en dehors de ça. Quand le pouvoir n'a pas cassé les partis politiques, les syndicats, il a réussi à faire des compris d'ailleurs les journalistes, ils seront partie prenante de cette convention. Vous prenez l'Espagne à titre d'exemple, comment elle a fait sa transition. Je veux dire, les journalistes ont joué un rôle, les syndicats ont joué un rôle. Tous les bonnes volontés sont les bienvenues dans cette convention. Personne ne sera exclu. De toute manière, dans la rue, on s'est mis autour de revendications bien claires et celles-là seront reprises. Et après, dans les démarches, c'est très clair qu'ils font une constitution qui va être alors votée par le peuple. Et puis, un gouvernement provisoire, parce qu'il faut penser bien que l'État, il ne faut pas qu'elle s'effondre. L'État ne doit pas s'effondre. La transition, c'est une dette qui fait chez l'auto, qui fait on met ces mécanismes et ces processus de cette transition. Donc voilà, ma proposition, c'est celle-là. C'est une convention qui regroupera toutes les bonnes énergies autonomes de ce pouvoir et qui apporteront le grain de sel pour vivre cette transition correctement et dans la paix et avec beaucoup de compromissions, mais de compromis de part et d'autre pour survivre l'Algérie libre et démocratique. Merci. Ah, merci. Encore une fois, ils veulent nous faire avaler une couleuvre. Ils s'accaparent d'un parti politique, d'un nouveau-né, oui, de l'Ouattan. Et ils veulent refaire la même histoire que les RND. Et il sera né avec des moustaches. Il voulait les lunettes. Il sera né avec des lunettes. Oui. Donc, que pensez-vous? Non, toujours, c'est le même mécanisme, c'est l'archaïsme. Ils sont en train de. Ils prennent le peuple pour des débiles,
Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau-né, un parti politique? Il sera, c'est un parti du président, il va participer aux élections et on sait pertinemment qu'il va rafler plus de 70% de la totalité des chiffres. Comme a fait le RND en 97. C'est ça. C'est voilà. Exactement pareil. Et qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, docteur, allez-y. Et le trucage, pour revenir au RND, le trucage a été filmé par Antenne 2 en présence de Khalid Atoumi à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On se rappelle. Et pourtant, rien n'a été fait jusqu'à présent. Oui, d'accord. Donc, pour Nigé El Watan, je pense que c'est comme ça qu'ils veulent l'appeler. Déjà, ils ont volé le nom d'un autre parti, le parti du Ben Nouari. Parce que Ben Nouari a déjà déposé pour avoir l'agrément pour son parti. Et il avait prénommé à l'époque, il avait nommé Nida El Watan. Donc déjà, ils commencent très bien. Ils commencent par un vol. Ils commencent par usurper quelque chose. C'est pas un problème. Maintenant, les Algériens connaissent l'histoire du RND. Quoi? On connaît déjà l'histoire. C'est ce que je disais. Je ne dirais pas nos dirigeants parce que je ne voudrais pas qu'une personne comme celle-là me dirige, mais nos despotes, les despotes qui sont tout à fait en haut, sont des ignares, sont des gens qui ne réfléchissent pas et qui n'apprennent pas de leçons du passé. Le RND est né en 97. Zed Bchlermo, Bchlermo. Dair Omra, Dair Hadja, ou Karib Yarouh Lakbar. À quoi ça sert? Qui c'est qui va voter? Personne n'ira voter. Nous n'avons pas voté pour Tebboune. Personne n'ira voter. Nous n'avons pas voté pour la constitution. Pardon, Lemia. Mais il gagnera quand même. Lemia, personne n'ira voter, mais ils passeront. Oui. C'est ça. Oui, ils gagneront quand même, ils passeront. Ils passeront par la fraude, comme pour 97, pour le RND. Même filmé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même filmé par une télévision française, la France a bien voulu détourner le regard, et tous les pays européens ont bien voulu détourner le regard parce qu'ils essayaient de demander des comptes au pouvoir de l'époque en 97, Azrael et compagnie. C'est ce qu'ils feront cette fois, sauf, je le dis bien, si le peuple ne se laisse pas faire. Et cette fois-ci, manque de peau pour eux, le peuple, je suis pratiquement persuadée, le peuple et le Hirak ne se laisseront pas faire. C'est ça le problème. La preuve, ils savent, tout à l'heure, mon ami Dalila, en sortant le vendredi, ils le disent directement. Il ne me représente pas, je ne sais pas comment qu'ils le disent en arabe, voilà, et c'est la vérité. Chaque vendredi, sur leur bus, on sort pour leur faire rappeler que c'est rempli, qu'ils sont en train de perdre leur temps, parce que comme a dit Hadek le jeune, à la journaliste, lazim et rohou guerre. Et quand je dis guerre, c'est guerre. Parce qu'il n'y a plus rien à attendre d'eux. C'est pratiquement de la quincaillerie. Sril Fihoum, il doit avoir 85-86 ans. Ça y est, ils n'ont plus rien à faire. Classe. Même leur roublardise par rapport à nos jeunes, à nos étudiants, à nos lycéens, ça devient pour eux djieha. J'ai un fils qui est lycéen qui me dit maman djieha. Et c'est vrai, maintenant djieha. Chaque 30 ans, vous nous faites sortir de vos poches un parti qu'on connaît déjà et qui est déjà gagnant d'avance. C'est pour ça qu'il faut qu'on resserre les rangs. Il faut qu'on se mette d'accord sur un projet commun
quelle que soit notre image politique, quelle que soit notre couleur politique, il nous faut un projet commun pour assurer l'article 7 et l'article 8 de la Constitution qu'ils ont eux-mêmes écrite, Monsieur Hnaïri Taham, et qui dit que c'est au peuple que revient le pouvoir. C'est le peuple qui décide. Et nous, on leur a dit, Taoula Madaniya, Mashi Askaria, Khlas, Shbana Mal Askar, Tghemna Menhom, on n'en veut plus. Un militaire dans sa caserne qui fait son travail, c'est mon frère. Mais un militaire qui vient me spolier, qui vient prendre le pain de la bouche de mes enfants pour aller investir à Neuilly et ailleurs, je suis désolée. Je suis désolée. Tous nos enfants, moi-même en tant que maman, je pense que Loukane Oulidi, il est grand maintenant, Koutine Ahmed Rabbi, s'il partait n'importe où par avion et non pas par bouteille, comme on dit chez nous, par barque. On est rassuré. Sinon, les autres, combien de jeunes sont morts en Méditerranée? Ne serait-ce que parce qu'ils sont partis aller une vie meilleure. Pas plus. Pas plus. Un bout de pain pour bien manger. Bien s'habiller, se nourrir et avoir un petit logement. Ce n'est pas vraiment un bout de paradis qu'on demande. C'est le minimum. C'est vraiment le minimum. Dans un autre pays, ce n'est pas des rêves. C'est vraiment un droit. Chez nous, ça devient des rêves. Voilà où est le problème, messieurs, dames. Et on voudrait bien qu'on change. Si on se met d'accord, s'il y a un projet commun, quelle que soit notre couleur politique, on réussira. Maintenant, qu'il soit islamiste, qu'il soit laïque, qu'il soit athée, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, il n'y a pas eu de juifs qui sont morts pour l'Algérie, comme il y a eu des musulmans, comme il y a eu des athées aussi. Je n'ai pas à les juger sur leur conscience. Je leur juge sur l'amour du pays, l'amour de l'Algérie. Pas plus. Merci. Merci. Dalila. Oui, Akli. Alors là, si on parle de la question, c'est des élections, c'est ça? Non, par rapport au parti à l'État. Moi, ça ne m'étonne pas. Outlix, il se repositionne parce que la guerre des clans, qui fait Jamelin, il donne Bobinetou. Par médias interposés, par partis interposés, ils font leur guerre. Ou bien qu'il y ait le gâteau, il y a l'entente qui fâche une trace. Donc le plus fort, il dit la part la plus grande. Ce qui fait, donc ils leur partent de là parce que donc là ils sont usés, marogin, ou t'bouflan, ou t'bouflan. Donc ils disent quelque chose d'autres éléments. Qu'on me placera dans ces semblants d'assemblée, parce que c'est des parloirs, c'est des chambres d'enregistrement, et je dis ça parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est en 97 quand on était élu. La première chose que j'ai dit tout mettre stup tzouer en s'adressant au FLN ou au RND ou gardek le kharta li kayn, on a dou yaitou. Vous dites que vous n'êtes pas issu de Tzouer. Allez, nous sortons de là, nous عندكم شعبيه وبيطوا عليكم الناس ويتعرفوا عليكم. Sortons dans la rue. Parce que moi, j'étais élu sur les listes du FFS et je sais que j'étais élu le voix et non, on a eu plus, mais Tzouer تاعهم جازو. Mais ça, on leur dit de en face à face et on n'obtient rien. Donc c'est pareil, vous savez qu'il y a une assemblée qui les arrange, ils mettent le parti de Tahom, les députés de Tahom, qui vont faire passer les lois les Hibou, mais ça ne va pas durer longtemps, parce qu'en 1997, il n'y avait pas Al-Hirak. Il y avait des partis d'opposition qui se décarcassaient pour se battre, il y a eu des propositions de sortie de crise de personnalité. Mais à l'époque, nous avons eu des gens qui ont été en train de se faire. Nous avons eu des gens qui ont été en train de se faire. Nous avons eu des gens qui ont été en train de se faire. Mais comme le peuple n'était pas encore sorti parce que traumatisé par la décennie noire
et on comprend et on compatit et tout le monde a eu son lot de cette dizaine d'années. Mais le pauvre fier, très fier que les générations qui sont nées, ils sont très conscients, très au fait de l'histoire de l'Algérie, comment ça s'est fait, qui est responsable et qui a sacrifié. Ils sont conscients de tout ça. Et donc, la donne qui a changé, c'est qu'il y a dans la rue. Cette révolution populaire, elle est dans la rue, elle ne baisse pas les bras et elle continue et elle résiste. La résistance. رانا في مقاومة ومقاومة ثورية. Donc, قاوموا باش on résiste en face de ce pouvoir mafieux et répressif. Et donc, كي يديروا بارتي تاعهم ويديروا اسمبلي تاعهم, حنا كلمتنا ما طيحش للأرض. حنا on va résister et continuer. Et donc, cette assemblée, ce parti, ils vont disparaître aussitôt qu'ils ont été créés. Pardon de l'essentiel parce que Houma et ils sont ralqués à la rome, ils continuent parce que revenons à ce truc, c'est lié au truc de l'ONU. Il faut ne pas emprisonner, il faut aller des élections démocratiques. Et donc ils font un semblant, c'est la démocratie de façade de tout temps c'était une démocratie de façade. Et le truc, tout était passé par la fraude. C'est qui m'a une fois dernier les élections locales après 97 et il y a une commission d'enquête de l'Assemblée où il y avait des députés du FFS et donc quand ils ont été faire l'enquête de toutes les régions d'Algérie, il est sorti qu'il y avait 67, si je me trompe pas, de méthodes de fraude. Des dizaines de méthodes de fraude, ça veut dire en face de quoi c'est une machine grandiose pour la fraude. Cette machine avec des spécialités et des ramifications qui fait chipot, qui a une autant de méthodes de fraude. Et d'ailleurs, avec le rapport, jamais il n'a été vu, il n'a vu le jour. Et donc, les fraudes, les benna, ils ont les capacités, et qui ne met aucune méthode de se faire pour les gens. Donc ça c'est connu, le peuple algérien a vu tout ça. Mais oui, on doit être la révolution populaire, elle doit être une force de pression et de proposition, chose qui est en train de se dérouler. Et qu'on arrive à avancer, ou soit par les professionnels, par exemple, qui rejoignent avec leurs manifestations, ou soit sur les personnalités organisées autonomes qui vont vers... C'est une chose que j'ai essayé avec le PAD. Avec le PAD, c'était un bon début. Vraiment, on croyait que ça allait arriver. Mais bon, pour des circonstances et des situations, ça fait que les choses n'ont pas évolué aussi bien qu'on le souhaitait. Mais ça ne passera que par ça. Une convention sera des personnalités où il y aura des organisations qui sont autonomes, et autour de textes, de mécanismes et de processus. On risque de tarder à être comme ça parce que c'est un mouvement populaire, des chefs. Mettre des chefs dans une démarche. Mais par contre, des revendications, des chefs pour créer des mécanismes et des processus, ça c'est possible. Voilà, à mon avis. Donc, c'est un non-événement, ces élections. Il nous reste trois questions. On doit avancer. La prochaine question, est-ce que le pouvoir ne presse pas le peuple à travers l'inflation, parce que tout est augmenté, sauf les salaires et les retraites. Ça, c'est une observation que tout le monde fait. L'inflation, il est pratiquement plus de 50%. Et notre passeport, il est classé, c'est une risée, il est classé 175e sur 199. Et il vaut ce qu'il vaut. Ça veut dire que notre passeport vaut ce que vaut ce pouvoir. Et notre dinar, il est dévalué pratiquement, il frôle les 20, presque 20 et quelques. Donc, à mon avis,
ce pouvoir, il n'a pas sa raison d'être. C'est un pouvoir corrompu, c'est un pouvoir qui n'a jamais travaillé pour les intérêts du peuple, c'est un pouvoir qui n'a jamais travaillé pour la patrie. Et qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Ah oui, non, moi j'attends, je crois que c'est Dr Boudicha qui allait répondre en premier. Dr Boudicha, il est parti. Donc il y a un problème de connexion, Martine. Voilà, elle est là, je vous en supplie. Lemia, je ne sais pas si elle a entendu la question, elle n'est pas là, Delila. Oui, non. Voilà. Allô? Allô? Oui. Oh, vous avez entendu la question? Oui, jusqu'à pratiquement la fin, puis ça s'est coupé. Mais j'arrivais à suivre, enfin normalement. Donc, par rapport à l'inflation, la cherté de la vie et notre passeport, il est classé aujourd'hui. Ils l'ont osé le dire dans le journal Liberté. Il est classé 175e sur 199. Donc, pratiquement parmi les derniers passeports, il ne vaut rien du tout, même pas si c'est une pièce d'identité. Et notre dinar, il est arrivé là, à la lit. Ça veut dire qu'il fera pratiquement les 21 et quelques maintenant. نعم ولاش تدليل دليل عنايب باش كنا نتبعي على الوقت دليل رسميني oui, effectivement, on est arrivé là par leur pratique. Ils ont tout volé, ils ont tout spolié et ils n'ont fait aucun... Parce qu'en fait, tout ce qui est dans l'intérêt du peuple n'est pas entrepris. Ils sont toujours pour faire sombrer dans la misère, dans la précarité, pousse le peuple à vivre. Et ça, c'est voulu aussi. Comprendre que c'est politique. Djoua Chab, où le revenu ta'ou, il est insignifiant par rapport à la sûreté de la vie. Bech yuqad yidjri, yuqad Chab yidjri mon l'ukma, où yinsa le matalib ta'ou. Mais ce qu'on a, ils n'ont pas compris. Même notre passeport est déclassé, notre dinar a été dévalué. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que là, généralement, ceux qui ont fait la guerre, ils étaient riches, ils étaient aisés. C'était des gens qui n'arrivaient pas à manger à leur faim. Mais ils ont compris que la liberté et la libération de l'Algérie et l'indépendance passaient en priorité. Donc, nous ferons la même chose. Ils ont tout fait, باش يجوا هاد الشعب باش يضيعوه لا جونيس هملت ضربت هربت من البلاد ماتت في البحر وزادوا لا دروغ وزادوا دونك ils ont tout fait باش يضيعوا هاد الشعب mais il y a une prise de conscience que la première chose pour qu'on aille mieux pour notre économie aille mieux pour notre image vis-à-vis de l'étranger aille mieux pour notre dinar et de la valeur il faut d'abord que nous puissions, parce que la démocratie, c'est la clé de développement économique. La première chose importante quand vous faites des études en économie, la première richesse d'un pays, c'est quoi? C'est sa jeunesse. Nous avons toutes les richesses. Les richesses souterraines ou autres, elles ont été spoliées, volées et offertes à leurs maîtres à l'étranger. Et cette jeunesse d'Iroha ou Mloha, et donc du coup, c'est ça les conséquences de ce qu'ils sont en train de faire. Khdmou pour arriver à ça. Donc il ne faut pas s'arrêter là-dessus, qu'il soit le dinar qu'on dévalue. C'est pas quelque chose de joli et ça a des conséquences, des coûts sur notre économie. Et que le transport soit classé aussi, dans un classement aussi choquant. Mais je veux dire, ça n'enlève rien à notre dignité, à notre niveau de conscience et de responsabilité qui a fait qu'on est sorti et on revendique, qu'on a compris que la solution, la clé de la solution, c'est que ce pouvoir mafieux parte et qu'on instaure la démocratie. Ils ont compris que c'était la clé. On ne doit pas s'éloigner de ça parce que qui nous le coup, elle a besoin de logement,
يقدروا يعطوك يديسبوك شويه يسكتوا. مي است كو دومان سي ريغلي؟ سا سا با ريغلي اون سرا مون بوين دو ديبار. كومون ايزون ديستريبيو هادوك تاع كيفاش نقولوا تاع لي دولار كيما دودان بور كري دي بتيز انتربريز. Ils ont essayé d'acheter les gens avec des l'ancien. Et toutes les appellations qu'ils ont créées. Ça, c'était pour acheter le silence du peuple. Et voilà. Mais maintenant, les gens ont compris ce genre de pratique. Et ils ont décidé de revendiquer l'essentiel, quelle que soit la malvie et la souffrance de nos concitoyens. Ils ont compris, si on obtenait le départ de ce pouvoir mafieux corrompu et corruptible, on pourrait aller construire une démocratie qui fera le chef, donc le chouk ta'o, qu'on nous m'ahtarmé ou m'tabri, et c'est juste en instaurant ça, on a tout ce qu'il faut pour relancer notre économie, pour vivre en paix, pour qu'il y ait une justice sociale, pour qu'il y ait un état de droit. Donc, ces revendications, les gens ont compris qu'il fallait revendiquer ça. Et le reste viendra automatiquement. Et ça, c'est connu dans les études économiques et tout ça. Je veux dire, on ne dit pas quelque chose de réaliste. Voilà pourquoi je dis que c'est un mouvement salvateur pour l'Algérie et que toutes les énergies se sont mis au cou dans ce mouvement et qui doit commencer à avancer pour se mettre à travailler, à réfléchir et mettre en œuvre des mécanismes qui feront qu'on avancera. Parce qu'il y a aussi, je veux dire, on a l'exemple de la Tunisie, ça va être dur parce que discuter, trouver un terrain d'entente et un minimum commun, ça c'est un travail qui fera que la transition avancera. Donc, dès que la réflexion, et on a des personnes qui réfléchissent et qui proposent et qui... C'est pas aujourd'hui qu'on va commencer, mais c'est aujourd'hui qu'on va exercer cette construction d'une transition démocratique. À mon avis, c'est le travail qu'il faut commencer, sur lequel il faut se pencher sérieusement. Et pour avoir une avancée qu'on ne peut pas traîner un peu dans ce processus. Parce que le Hajj al-Oula, il y a l'étifak à la kawa'id, le mécanisme ou le massal, le hajj al-Oula, le mahal al-intiqaliya. Je vais vous dire comme tu as dit l'arabe, je vous dis. Parce que nous sommes dans la politique et on utilise les termes français. Justement. Mais avec les formules politiques et comme on dit, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de être à la hauteur de mes revendications. D'accord, merci. Inch'Allah. D'accord, Lemia maintenant. Oui, je pense qu'elle a très bien résumé la situation. Le pouvoir, depuis pratiquement les années 70, a essayé d'appauvrir la classe moyenne. Je vais vous donner un exemple. Les médecins recrutés dernièrement, c'est-à-dire les nouveaux médecins, perçoivent 52 000 dinars par mois. Quand un bagal, qui n'a jamais été à l'école, qui a fait un prêt en Sège, se balade avec 1 milliard. Pourquoi voulez-vous que ce médecin ne déprime pas? Les ingénieurs, c'est encore pire, c'est 35 000 dinars. Les vétérinaires, c'est 32 000 dinars. Un pays où sont pratiquement sa jeunesse, parce que c'est des jeunes, ils terminent leurs études, sa jeunesse lettrée est mise de côté, est un pays déjà qui ne peut pas avancer. Pour le dinar, ils ont tout fait pour qu'il soit dévalué. Notre passeport, le passeport vert à un certain moment, même si c'était un despote du temps de Boumediene, il avait un peu de valeur. C'est vrai qu'on était, il avait de la valeur avec le taux du pétrole aussi, on va pas se mentir, mais il en avait. Maintenant, tout est à l'envers. L'Algérie, elle a amlaki hadak l'abd li yemchi ala raso.
tout a été chamboulé. Nos valeurs ancestrales, nos valeurs morales, nos valeurs, même au niveau des études, je ne sais pas, peut-être que Sonia, vous êtes à l'étranger, mais je peux vous dire que même au niveau des études à l'université, on a eu beaucoup plus de fraude ces dernières années que qu'à partir de 62. Parce que tout a été pratiquement, comment vous dire, dénaturé. Vraiment, ça a été un travail de sape. Il n'y a plus, comme je disais, de classe moyenne. Il n'y a plus d'élite. Et les intellectuels se fondent dans la foule et marchent, comme on dit ici, juste avec le hait pour ne pas être reconnus, parce que ce pouvoir n'aime pas ces gens. Par contre, on a quelque chose dont le pouvoir ne peut rien faire. On a les ressources humaines. On a un pays qui compte 40 millions pratiquement d'Algériens, dont 70% de jeunes. Hebbo, Karou, ils sont là. Nous, on est un peu plus âgés qu'eux, on peut les orienter. Mais cette jeunesse, c'est notre pouvoir, c'est notre richesse. Dès que ces despotes partiront, je suis sûre que cette jeunesse s'épanouira. Et c'est ce qui fera le bonheur de l'Algérie. Ce pouvoir ne croit pas en notre jeunesse. Il ne croit en rien. Tout ce dont il croit, c'est son business. Et son business, c'est que l'Algérien reste pauvre. Il va dire qu'il y a des choses qui sont là. Il va dire qu'il y a des choses qui sont là. Il va dire qu'il y a des choses qui sont là. Et c'est ce qui se passe. Les logements sociaux sont distribués 20 000 fois par an. Par contre, les gens à l'ADL, il y en a qui ont attendu leur maison pendant au moins une quinzaine d'années. Oulid Zour, en 2001, il avait 6 ans. Il a profité de l'ADL, d'un logement ADL. Comment un enfant de 6 ans peut travailler, peut avoir une fiche de paye pour avoir un appartement? Il y a des gens qui sont morts de vieillesse sans rentrer dans leur chez-soi. Ce peuple-là, il dirait mort le khobz, il dirait mort dar, il y a le ibn Foudawi, ou il dirait mort le mehisha. Ils ne l'ont pas laissé épanouir. Ils ne l'ont laissé penser à rien, sauf à sa pensée, pas plus. Et c'est là notre problème. Notre douleur, elle est là, et notre malheur est là. Nous avons des ressources. Nous avons surtout des ressources humaines. Il suffit que l'Algérie ait un bon DRH. Voilà ce dont on a besoin. Et je suis sûre qu'il y en a. À condition que l'on regarde, toujours. Voilà, merci. يروحوا كاع وي مي هو رجعونا واحد عنده 91 سنة شاب عنده 91 سنة وراه حكم فينا مي avec les classiques qu'on refait une nation surtout pas allô oui malheureusement هذا وصل القاو on dirait que les trois quarts de la population moins de 30 ans m'a pas fait la Libye qui n'a pas encore sa souveraineté, il est en guerre, il est en train de se reconstruire. Il a fait un gouvernement technocrate avec des universitaires, des jeunes. حنا عندنا مازالهم يطمعوا فواحد اللي عنده يا عجبة 91 سنة واش يمدلك إلي السينيل ان غوفرنمون خورتوكرات با بلوس نو سا في دير تو سامبلومون كو سيت بيرسون elle est juste mise pour la décoration et que les décisions se prennent ailleurs. Il y a le pouvoir réel, il y a le pouvoir d'apparence. Et puis on est le seul pays dont on a dit un pays riche avec une population pauvre. Ça n'existe dans aucun pays. Mais ça existe chez nous. Donc il reste deux questions. Il faut être bref. Certains disent que la solution est avec les militaires et refusent le slogan Madania Machi Askaria. Hadi Bennett, dernièrement, il y a certains, ils disent que la solution se passe avec les militaires.
Donc, ils refusent le slogan du Hirak, Madania Machi Askaria. Qu'est-ce que vous en pensez? En particulier, Bouakouir. Non, Bouakouir, c'est mieux. Sonia, tu rigoles, hein? Ah oui, ah, non, moi, j'ai raté ça. Qu'est-ce que j'ai raté? Le docteur vous dit ça. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah oui? Alors, ma deuxième chasqueria. Oui. Je pense que... bien dit, hein? Que... يعني والله تقلبك تاع الناس واش نقول لك على بالي جو دي il faut que les gens se mettent autour de mécanismes et d'un contexte et je veux dire d'idées de revendications pas autour de personnes parce que الناس تبدل الناس تنكر الناس كاين ناس كاين ماشي حاشاهم كاع الشعب الجزائري il y a quelques spécimens bizarres qui changent du jour au lendemain. Mais de l'Hirak, cette révolution et ce peuple dit le mal, c'est qu'on je précise tout à l'heure exprès, il y a une junte militaire. Je ne parle pas de l'institution, hein, c'est parce que mais on est sur les amalgames. Il y a l'institution, elle est composée des enfants du peuple, mais la junte militaire qui fait des affaires et qui a des téléphones. Ou des crédits à outrance. Qui tire les ficelles. Une entreprise qui vient investir, est-ce que c'est une entreprise qui vient investir de la crédit? Et normalement, est-ce m'a écrit une entreprise qui vient investir, elle se dit que d'un, ben je t'investis au Viblade. Qui fait de la crédit de l'entreprise qui est venue s'investir en Algérie? Qui fait? C'est de s'asseoir de la fiction. La fiction, c'est pas possible. Pour vous dire, Yanni, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là-dedans. Donc, de là, on dira que la primauté du politique sur le militaire et la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. C'était clair. Il a été assassiné parce que il a fait une plateforme extraordinaire qui pouvait faire construire une Algérie démocratique et libre. Mais il a été assassiné et les autres hommes qui ont fait la révolution, qui pouvaient sauver l'Algérie, et ils les ont. Donc, ça, on connaît dans l'histoire de l'Algérie. Et pour ça, aujourd'hui, on dit, je veux dire, il n'y a plus. C'est pas soumis à débat. X, qui sont jamais Bouakouir ou la Khadour ou la Ammar Bouzoua ou la disent que non, M. Alda, ça n'engage que sa personne sur des millions de personnes qui sont dans la rue. Je veux dire, qu'est-ce qui pèse dans les millions de personnes qui sont dans la rue? Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Alors là, donc qui m'a dit qu'il y a une mentalité? Il dit واحد يحكي حكاية يبداو كاع الى بارطاجي البارطاج يا خو نجي انتوما فيز دي زوم اي فام دي ميديا يا خي كون ما كاش لا موفيس بيبليسيتي دونك كي تكبروهم اون بارطاجون لور زانري سي دو نوت فوت il faut ignorer ce genre de si non qu'est-ce que ça personne خلي يا خوري تعبير خلي هذا. Mais même des louches publicités, il a droit d'exister, de se prononcer, de brasso, mais l'expression populaire a dit son nom. Mais Bush, c'est pareil. C'est nous qui sommes en Algérie, et c'est nous qui sortons, c'est nous qui subissons la répression, et c'est nous qui résistons à ce pouvoir mafieux. Et donc le mot nous revient. Et la diaspora qui soutient cette volonté populaire, cette évolution populaire, elle est en phase avec son peuple et ses concitoyens. Ceux qui sont et qui font autre chose vont à l'envers de ce que vit la suite. Alors, c'est le problème. Moi, j'apprécie pas trop d'attention. Et ça rentre dans la diversion. Il fait de la diversion. J'ai pas tant de temps que tout ça, moi.
en militant, j'ai d'autres priorités, d'autres choses importantes à faire pour faire avancer la cause et construire mon pays. Voilà en résumé ce que je pense. Voilà, merci. Docteur Boudissa. Je dirais à mes amis que les gens ne changent pas, c'est les masques qui tombent. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, Monsieur Samuel Bouakouir, qu'il parle, il a tous les droits de parler. Son droit, il parle. D'accord, Khoya Akli. Le Hirak, ce n'est pas Samir Bouakouir, et Samir Bouakouir n'est pas le Hirak. Le Hirak, si on veut l'écouter, on n'a qu'à descendre chaque vendredi dans chaque rue de chaque ville d'Algérie. Et là, on verra ce que veut le Hirak. Par contre, c'est une personne qui aide ses pratiques, je ne dirais pas ça, cette jeune, mais qui aide des personnes à rester un peu plus longtemps au pouvoir. Pas plus, donc il sans plus. Voilà. Voilà. Donc, ma dernière question, je vous donne une minute chacune parce qu'il ne reste pas beaucoup. La conférence populaire n'est-elle pas une solution pour sauvegarder la cohésion et renforce le rapport de force en faveur du Hirak dans un cadre unitaire et le respect de l'identité et de l'autonomie de chaque sensibilité et de son autonomie en vue d'imposer une transition démocratique pacifique. Donnez la parole à qui? Hein? À qui vous donnez la parole, à qui? À toi, une minute comme ça. Delila. Ce que tu appelles, toi, la conférence, moi, je l'ai appelée convention quand j'ai expliqué tout à l'heure. Bien sûr, ce que vous dites, j'y adhère totalement. L'appellation, c'est pas très important qu'on l'appelle conférence nationale, qu'on l'appelle convention nationale, mais qu'elle regroupe toutes les sensibilités, tous ceux qui représentent les forces vives de notre pays. Et le seul critère, c'est qu'il soit autonome et donc pas ses satellites du pouvoir. Voilà, demain. Ou choukran. Docteur Boudissa. J'irai dans la même direction que mon ami, un projet commun pour qu'on puisse s'entendre au moins sur une plateforme, qu'on puisse la suivre, qu'on puisse reprendre ce qui a été arrêté lors de l'assassinat de Ben Ramdan. L'Algérie nouvelle est à construire par ses fils et ses filles, pas par la SABA, pas plus mon ami. Merci. J'espère avoir respecté votre dernier mot. Votre dernier mot maintenant, parce qu'on est, pratiquement deux heures de temps. Donc, chacun de vous, s'il y a une question que je n'ai pas posée, auquel vous pourrez parler, vous êtes libre. Donc, votre dernier mot par rapport à tout ce qu'on a dit et par rapport à ce que le peuple attend de cette révolution de sourire, par rapport à la synergie entre les militants, les différentes wilayats, parce qu'il y a une seule Algérie, il y a une seule patrie et il y a un seul peuple. Moi, je dirais ce que j'ai déjà utilisé et que j'aime dire tant. Et le combat continue. Hasta la victoria siempre. Merci à vous de nous avoir offert cet espace d'expression. Hasta luego. Et voilà. Merci encore. Merci, Delila Kounet. Docteur Boudissa. Oui, moi, je vous dirai trois choses. Ne jamais se laisser contrôler par les gens, par l'argent et par le passé. L'avenir est devant nous. Les gens peuvent être très forts maintenant, beaucoup plus faibles après. L'argent peut acheter un lit, mais n'achète pas le sommeil. Il peut acheter le plaisir, mais pas le bonheur. Faisons en sorte à ce que
Nous fabriquions nous-mêmes notre bonheur, nous fabriquions nous-mêmes notre Algérie, celle auquel on voudrait bien que nos enfants, à laquelle où on voudrait bien que nos enfants vivent. Pas plus, j'aimerais bien, Inch'Allah, y vivre moi aussi, y arriver. Inch'Allah. Merci pour Madame Lemia Boudissa, Madame Delila Taleb. Merci Sonia. Merci à vous. J'espère que nos auditeurs ont passé un agréable moment en notre compagnie. Asnine Erten Mert, Rasul Matassi Gerfen, Nanda Chouz, Mslemes Kvelit, Atas Pouidou Nagrara, Unfehmer, Ataromit Nassin, Ola Chouelif, Widi Arana, Unfehmen, Tikil Tenedanan Arad, Adn Khdem, Chouet, Akagi, Tidwilin, Arailin, Ilmendin, Wan, Arad Fehmem, Ser Magdekin, Tisfeidim, De Swayen, Idn Pouissis Gilin, Elmitura, Ten Mertem Kranta Yakili, Eskardesh Ntimsel, Yel, Dour, Tlawen, ناجي دي راديو ميديا مشى سيتساوت ادي لي غفر ربعه مديتينو الامريكان مشى في ثلاثه خطر لنا الساعه ذاكيني ايه سيا ار دورتي دي دون تحدرت ايمان ون تنمرت ون اكن متلم ذاكي تنمرت يوك ايويد تيد اذا ديت عن سيسقلينا الميتوره